Nous allons enregistrer le Daf Kaf Aleph dans Masechet Nazir et nous rappelons rapidement ce qu'on avait vu à la fin du Daf précédent. On avait vu une machloket, Reish Lakish et Rabbi Yehuda Nesi'a, à propos de celui qui s'engage à être Nazir et qui a d'autres personnes, en l'occurrence deux dans le cas de la Mishnah, qui disent et moi aussi, selon Reish Lakish, ça ne peut marcher que si les personnes qui parlent ne le font que pendant le temps de dire bonjour à quelqu'un, Shalom Alecha Rabbi, comme un élève qui s'adresse à son maître. Pendant ce laps de temps, on peut être matpis, prendre ses nézirut et se l'approprier et s'engager nous-mêmes à être nazir. Dépasser ce temps-là, on ne peut pas. Selon Rabbi Lanessia, on laisse un peu plus de temps pour que justement un élève qui veut s'engager à être nazir, comme son ami, et qui au passage voit son maître passer, ait le temps de dire Shalom Alecha Rabbi et en même temps s'engager et dire Va'ani et moi aussi. La Gemara tout de suite commence, Daf Kafalef, et trouve une Braïta qui confirme l'avis de Reish Lakish. Tanya Namiachi, une Braïta dit ainsi, de la même manière, Mish Amar, et Nazir, celui qui a dit qu'il est Nazir, Veshama Havero, son ami, a entendu Veshaha, qui est des Dibou, et il a laissé passer le temps d'une parole, Va Amar, Va'ani, et après il a dit, et moi aussi, Hu Asov Havero Muta, il n'y a que le premier qui est engagé, le second ne l'est pas. Kama Kede Dibou, combien est le temps de parler? Kede Sheila Shalom, le temps de dire bonjour. Talmid l'arabe, un élève à son maître. L'imam essaie d'aller. Et on veut encore confirmer avec justement notre Mishnah. Peut-être que même notre Mishnah, avant même une braïta, peut-être que notre Mishnah confirme l'avis de Reish Lakish. Mishama Reini Nazir Veshama Havero, notre Mishnah dit celui qui a dit qu'il est Nazir. Son ami a entendu, Ve'amar va'ani va'ani, ses deux amis en fait chacun ont dit, et moi aussi, Ve'tulo, et on n'enseigne pas plus que cela. Pourquoi on n'a pas enseigné un autre cas? Et sûrement pour dire que du coup, on ne peut pas aller plus loin que cela. Le premier il a parlé, l'autre il dit va'ani, va'ani, c'est le temps de dire trois mots, et du coup, si la Mishnah n'a parlé que d'un cas où il y a trois personnes, la Gemara propose de déduire de là que ça veut dire que c'est justement parce que le temps technique ne suffit pas pour justement continuer de s'engager. Vetulo, la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Tana qui ruchla l'irshiv, est-ce que le Tana qui part dans la Mishnah, est-ce que c'est comme un marchand qui doit étaler toute sa marchandise? Même si le Tana voulait parler d'un cas où il y a 10, 100 personnes qui s'engagent l'un après l'autre et qui finalement prennent plus le temps que de Kede Dibour, et donc peut-être que le Tana de la Mishnah ne penserait pas comme Reish Lakish, est-ce que tu crois franchement qu'il va étaler tous les cas et dire Va'ani, Va'ani, Va'ani autant de fois qu'il y a? Non, c'est une manière de parler. Alors il m'a dit, ah, si c'est cela, s'il ne donne pas tous les cas, pourquoi il en a enseigné plusieurs? Pourquoi il n'a pas dit que un, Va'ani et moi aussi? Vélizi, Vélit, Nechal, il aurait dû enseigner qu'un seul. La Gemara, elle dit Vélash Mainan, année, et donc on aurait déduit les autres. La Gemara dit, Achinami, tu as raison. Mishum le katane sefa, ou tararishon, ou trukulan, c'est à cause du langage qui suit. Le langage de la Mishnah dit après, puisque le premier a annulé son éder, eh bien, même jusqu'au dernier, eh bien, tout le monde est autorisé. Donc on a dit quoi? Ou tararishon, ou trukulan, ou tararacharon, acharon muta. Par contre, si c'est que le dernier qui s'est qui a fait annuler son éder, Acharon Moutard, il n'y a que lui qui est autorisé, le Khoulan Asourim, les autres le sont interdits. Le fait que la Mishnah veuille utiliser le langage de premier et dernier, cela sous-entend qu'il y en a un qui est intermédiaire, Miklal de Kamitsaï. Donc, du coup, pour pouvoir comprendre la suite de la Mishnah, on parle d'un premier, d'un dernier et donc d'un intermédiaire, d'un qui est au milieu, on est obligé, du coup, de parler d'un cas où il y a minimum trois. Donc, même si le Tana, on continue de penser que le Tana n'est pas là pour énumérer tous les cas, donc il se peut que la Mishnah parle de 100 personnes, simplement, on ne va pas les citer les 100. Mais au moins, on cite le minimum. Un qui dit « je suis nazir », l'autre qui dit « va'ani, va'ani », donc deux autres qui parlent, pour qu'au moins, on sache que le cas minimum de la Mishnah, c'est un cas où on parle de trois personnes, pour qu'on puisse comprendre le langage qui dit le premier, le dernier, ce qui sous-entend qu'il y en a un entre les deux. « Mishumachi katane va'ani, va'ani », c'est pour ça qu'on a enseigné, et moi aussi, et moi aussi. Nouvelle question de la Gemara. « Iba'ya lehu » La question de la Gemara. « Chad bechavre mitpis » Est-ce que lorsque chacun dit « moi aussi, moi aussi », est-ce que, alors le premier, le numéro 2, c'est sûr qu'il copie sa nézirut sur le numéro 1, la question est à partir du numéro 3, est-ce que le numéro 3 copie son numéro 2 ?
ou copier aussi sur le numéro 1. Est-ce que tous ceux qui viennent après continuent de référer et de calquer leur Nézirut sur le premier, ou est-ce que chacun se calque sur le précédent? Le numéro 2 a calqué son numéro 1, le 3 sur le 2, et ainsi de suite. Donc, est-ce que Khad Bechavre, est-ce que chacun prend la Nézirut de l'autre, donc de son prédécesseur, Odilma, ou peut-être, mais Kama Mitpis, Mitpassé, peut-être que c'est toujours avec le premier qu'on prend la Nézirut. L'Agma Dilma et Nafkamina. Techniquement, alachiquement, qu'est-ce que ça peut changer? L'Agma nous dit, les hits poussés au Mizal, c'est pour justement savoir si on peut, jusqu'à combien on peut continuer à prendre des Nézirut par rapport à une personne. I Amatrat Bechavre Matpis. Si tu dis que chacun prend par rapport à ce, au précédent, il n'y a pas de limite de temps. On peut finalement rajouter, cumuler et à chaque fois calquer des Nézirut éternellement, le premier sur le deuxième, le deuxième sur le premier, le troisième sur le deuxième, le quatrième sur le troisième, ainsi de suite, on ne s'arrête pas. Mais Iyamar de Kama, si on dit que c'est toujours par rapport au premier, Matpé c'est fait, eh bien, on ne peut pas, Matpé c'est fait, Mikdé Dibour, l'Omatpé Fissinan, on ne peut pas dépasser le temps de Kédé Dibour, puisqu'on a dit que selon Rech Lakish, on a une Maréta qui confirme, on ne peut faire une Adpassa que le temps de dire trois mots, Tor Kédé Dibour, Shalom Alecha, Rabbi, il faut que ce soit inférieur à ce temps-là. Si on pense que tout le monde se réfère par rapport au premier, eh bien le premier, lorsqu'il est dit Arayi Nazir, on compte le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, et à ce moment-là, il faut que tous ceux qui ont parlé aient pu parler l'un après l'autre, mais finalement, ce n'est pas possible d'en avoir beaucoup, puisque si chacun parle l'un après l'autre, on est limité. Par contre, si on pense que chacun se réfère au précédent, tant que le nouveau parle toujours dans un laps de temps qui est inférieur à trois mots par rapport à celui qui le précède, eh bien on peut finalement avoir une éternité et une infinité de Adpassot. Donc reste sur la question, Mike, quelle est la réponse? Est-ce que finalement on s'engage par rapport au précédent ou par rapport au premier? Tashma, viens essayer d'apprendre de la Mishnah. Arei, Nazir Veshama Chavero, celui qui dit qu'il est Nazir, son ami a entendu, Vamar Vaani Vaani, et le premier a dit moi aussi, et un autre encore a dit moi aussi. Mais tout l'omidi, encore une fois, l'agma fait la même déduction qu'elle a fait là-haut. Pourquoi on a enseigné que dans un cas où il y en a trois? Pourquoi la Mishnah n'a pas parlé d'un cas où il y en avait quatre ou cinq qui disent moi aussi? Il n'y a toujours que trois. Le premier qui a dit je suis nazir et deux autres qui ont dit moi aussi. Shma, mais il n'avait qu'un main ou des mains de pisser. On voit bien qu'on a limité le nombre de personnes qui prennent la Nézirut comme l'autre. Et du coup, ça veut dire qu'on est limité dans le temps. Donc ça veut dire que tout le monde se réfère au premier. Si on pense que chacun se réfère au précédent, la Mishnah aurait dû parler d'un cas où il y a plus de gens, pas que deux qui disent va'ani va'ani, va'ani va'ani va'ani, 4, 5, pourquoi pas? L'itné touvant, on aurait dû enseigner plusieurs, va'ani. L'agma dit non, Tana, même réponse que tout à l'heure. On ne peut pas déduire, ça fait la deuxième fois qu'on veut déduire du nombre de fois où on a dit va'ani, c'est-à-dire du nombre de personnes qui viennent prendre la Nézirut en plus. On a voulu à chaque fois déduire et à chaque fois la Gemara donne la même réponse. Ne déduis pas du nombre qui a été choisi, deux personnes qui se sont rajoutées. Ne déduis pas pourquoi? Parce que Tana, qui aura l'archive. Parce que tu crois que le Tana, est-ce que c'est un marchand qui est là pour étaler sa marchandise et dire tous les cas et toutes les personnes et répéter toutes les phrases que toutes les personnes vont dire? La Gemara va dire si c'est ça, s'il n'est pas là pour faire une liste, à ce moment-là, il aurait dû enseigner qu'un seul. Celui qui dit je suis Nazir et l'autre qui dit va Annie, un seul. Pourquoi deux? Une fois que c'est plus un, il aurait dû aller peut-être aller plus loin. Lizi velitne, chad, velashmayan kunun. Alors il aurait dû enseigner qu'un seul et j'aurais déduit tous les autres. La Gemara dit non, là aussi c'est à cause de la fin. Aïdi de katane utar arishon, utrukulan. Puisque dans la suite de la Mishnah on dit que dès qu'on a plusieurs comme ça, nezirut, et que le premier est autorisé, c'est-à-dire qu'il annule sa nezirut, tous les autres sont autorisés. Par contre, Utar Aharon, si c'est que le dernier qui enlève sa Nézirut, Aharon Mutar, c'est lui qui est autorisé. Verkulan, tous ceux qui le précèdent, Asurim sont interdits. Mais Klal Dekaim Tsaï, de là on déduit encore une fois comme tout à l'heure, qu'il y a forcément un cas intermédiaire. Et donc c'est pour ça, Mishumachi, Katane, Vaani, Vaani, c'est pour ça qu'on a enseigné au minimum 3. Donc c'est le même type de raisonnement. On veut encore faire une déduction ici pour déduire la réponse à notre question. Est-ce que finalement chacun prend la Nézirut du précédent ou copie la Nézirut du premier? On a voulu déduire du fait que dans la Mishnah, on a enseigné un cas à 3. Que puisqu'on a enseigné un cas à 3, c'est qu'on n'enseigne pas le minimum, qui aurait été 2. Si on n'est pas dans le cas minimum, eh bien on aurait dû
enseigner plus pour montrer justement que l'on peut avoir une infinité de Nézirut et donc finalement que chacun est matpi sur le précédent. La Gemara dit non, le minimum c'est pas deux ici, le minimum c'est trois, puisque le langage de la Mishnah parle d'un premier et d'un dernier, ce qui sous-entend qu'il y a un intermédiaire, donc le minimum c'est bien trois. Donc comme le Tana de la Mishnah n'est pas là pour étaler tous les dires de toutes les personnes qui sont présentes dans la Mishnah, eh bien il a dit le minimum c'est trois, et donc tu n'as pas de preuve qu'il n'y en a pas plus que trois. Tentative encore une fois de déduire. Tashma, Utav Arishon ou Trukulan. On a dit dans la Mishnah chez nous que si c'est le premier qui annule sa Nézirut, tous les autres après le sont autorisés. Rishon ou Desharu, Ha'emsai, Lo. Pourquoi on a choisi le premier? Ce qui sous-entend que si c'est celui qui est au milieu qui annule sa Nézirut, eh bien, on n'autorise pas tous ceux qui sont derrière. Shma Mina, Bekama Matpissi. Ce qui sous-entend que tout le monde se réfère au premier. Pourquoi la Mishnah n'a pas choisi de trouver un cas où donc le premier a dit je suis nazir, le deuxième a dit moi aussi, le troisième a dit moi aussi, et pour nous prouver finalement que le numéro 3 ne se réfère pas au numéro 1, on aurait dû dire selon toi que celui du milieu annule sa Nézirut, et que comme il annule sa Nézirut, le troisième aussi annule le fait qu'on n'ait pas dit ça. Ça sous-entend qu'on ne peut annuler les zones des 0, 2, 3 et ainsi de suite que si c'est le premier qui est annulé, de là on voit que tout le monde, le 2 et le 3, se réfèrent au numéro 1. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Tu peux toujours dire que finalement, l'un se réfère au précédent, le 1 par rapport au 2, le 2 par rapport au 3, mais finalement comme le 2 est annulé par le 1, eh bien le 3 qui est référé au 2 sera lui aussi annulé. Mais pourquoi on enseigne ce cas-là? Il dit des baé. Mitna ou Trukulan, Deitana Ipsai, Ikarishon. C'est parce que nous, on va enseigner la formule où tout le monde est autorisé. Tout le monde. Pas ceux qui suivent, tout le monde. Et si le premier n'est pas autorisé, tout le monde ne l'est pas. De le Mishteré, Mishumachi Katana Rishon, c'est pour ça qu'on a dit que c'est le Rishon qui a annulé la Nézirut. Tashma, on essaie de déduire de la suite de la Mishnah. Utar Haaharon, Haaharon Muta. Lorsque le dernier annule sa Nézirut, le dernier est autorisé. Les Khulan et tous les autres, Asurin, sont interdits. Agma dit pareil aussi. De loika harina batre, avalen sa'i, de kaharina batre, mishtare. Pourquoi on a dit que le cas où tous les autres sont interdits, c'est le cas où c'est le dernier qui a fait atara? Pourquoi on n'a pas dit également que lorsque celui du milieu a annulé, eh bien tous les autres aussi restent interdits, ceux d'avant et ceux d'après? C'est parce que c'est faux. Et donc si c'est faux, ça veut dire que finalement, on se réfère chacun au précédent. C'est pour ça qu'on a dit ça. Shmar mina, had behavre matpis, de l'envoi que chacun se réfère au précédent. Puisqu'on a dit que quand est-ce que tous les autres sont interdits, lorsque c'est le dernier qui a parlé, qui a annulé sa Nézirut. Ce qui sous-entend que dès que c'est un autre, ce même celui qui est du milieu, eh bien, on ne peut plus dire que tous les autres sont interdits. Donc si celui du milieu annule, c'est-à-dire que celui d'après aussi est annulé. Elle m'a dit non, le olam est malar, bekama matpissin. Non, là aussi, ce n'est pas une preuve. Tu peux dire que tout le monde se réfère au premier. Donc, tu n'as preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Il se peut que tout le monde se réfère au premier. Au maya haron des katane. Et même lorsqu'on a dit ici haron, le dernier, ce n'est peut-être pas le dernier au sens propre du terme. Et tsai, c'est peut-être celui de intermédiaire. Et pourquoi on l'a appelé haron? Par homogénéité par rapport à la Mishnah, qui au départ a parlé d'un premier au sens propre du terme. Et bien, du coup, celui qui est après, on l'appelle le dernier, mais il n'est pas dernier, il est juste après le premier. Enfin, il est dernier Rishon, parce qu'au début, on a parlé de premier. Tana Haron, le Tana a parlé après, pris le langage en disant dernier Haron, mais réellement, ce n'est pas au sens propre et strict du terme. Nouvelle tentative, à partir d'une Braïta, mais cette fois qui sera claire, de comprendre est-ce que, lorsqu'on a plusieurs personnes qui disent moi aussi, est-ce que chacun se réfère et calque sa Nézirut sur le précédent ou sur le premier Tashma? Bien apprendre des Tania, une Braïta Vehidia qui dit clairement Utar Arishon ou Trukulan. Si le premier annule sa Nézirut, tous ceux d'après sont autorisés. Utar Aharon, lorsque le dernier est autorisé par un Inatara de Chacham, Aharon Mutar, le dernier est autorisé, Vehulan Asurim, tous ceux d'avant sont interdits. Et on a vu qu'on pouvait déduire ni dans un sens ni dans l'autre, mais en tout cas maintenant le cas est clairement défini. Utar Emsai, Imeno Ulmata Mutar, Imeno Ulmala Asur. Si c'est celui du milieu qui fait Atara, tous ceux qui sont plus bas que lui, donc après lui, seront autorisés. Tous ceux qui sont avant ne le seront pas. Shmar Mina,
Habi Havri Madpis, de là on voit que finalement chacun se réfère au précédent. C'est la raison pour laquelle, à partir du numéro X, eh bien, tous ceux qui viennent après, comme ils se réfèrent à lui, et le numéro d'après se réfère donc à lui, celui encore après se réfère à. Donc on a dit numéro, par exemple, on va dire que le numéro du milieu c'est le numéro 5. Si le numéro 5 fait la Tara, le numéro 6 se réfère par rapport à lui, donc sera annulé. Et le numéro 7 se référant par rapport au numéro 6 sera lui aussi annulé. Et donc finalement, on a par effet de château de cartes finalement, tous ceux qui viennent après lui qui seront annulés, mais pas avant. Donc on a une preuve réellement que finalement dans ce genre de cas, on se réfère toujours à celui d'avant. Et donc techniquement au niveau du temps n'est pas limité, parce que tant qu'une personne vient être matpis dans le temps de dire Shalom Alech Harabi par rapport au précédent, on peut avoir finalement une infinité de hatpasot, donc de personnes qui s'engagent à être nazir. Shmar Mina et l'Agmara entérinent cette déduction et la réponse à cette question. On avait dit dans la Mishnah, Reni Nazir, je suis Nazir, Veshama Havero, son ami a entendu Ve'amar, et a dit, pique et fiv, ma bouche est comme sa bouche, ou Ari Kisaro, et mes cheveux comme ses cheveux, eh bien, on a dit, il est Nazir, la Gemara s'étonne. Mishum d'Amar, pique et fiv, ou Ari Kisari, Are Nazir, Are Zé Nazir. Quoi, celui qui dit que sa bouche est comme la bouche du Nazir, et ses cheveux comme ceux du Nazir, il est Nazir, au Minou, on objecte. Pourtant, il y a une vraie qui dit quoi? Yadi Nezira, Veragli Nezira, ou Raglai. Celui qui dit ma main ou mes mains sont nazir, mon pied ou mes pieds sont nazir. Lo Amarkloum, ça ne vaut rien, il n'est pas engagé. Par contre, s'il dit Roshi Nezira, ma tête sera nazir. Kvedi mon kaved, mon foie sera nazir. Arezé Nazir, il sera nazir. Quelle est la règle? Zéaklal, voici la règle. Davar Shaneshamat Pluyabo, lorsqu'il engage à être nazir, une partie de son corps, dont sa vie dépend, comme le foie et comme la tête, Rezé Nazir, il est Nazir. Mais par contre, s'il le fait par rapport aux mains et aux pieds qui ne sont pas des éléments vitaux du corps, il n'est pas Nazir. C'est le même principe que l'on trouve par rapport à la Kedusha, quelqu'un qui sanctifie une bête. S'il ne sanctifie qu'une partie de la bête et qui sanctifie une partie de la bête qui est vitale, eh bien la Kedusha s'étend dans l'animal et l'animal est entièrement Kadosh. Eh bien, mais par contre, si c'est par rapport à un membre qui n'est pas vital, ça ne marche pas, ça ne s'étend pas. C'est le cas ici de Nazir. Donc la Gemara s'étonne, puisque finalement on a dit que lorsqu'une personne engage une partie du corps à être Nazir, même s'il n'a pas réellement de sens, mais en tout cas une partie du corps à être Nazir, eh bien il n'est engagé que si la partie qu'il a décrite est une partie qui est vitale pour le corps, mais si elle ne l'est pas, ça ne marche pas. Comment se fait-il que lorsque dans la Mishnah on a parlé de quelqu'un qui engage ses cheveux ou sa bouche, comment se fait-il qu'il est engagé à être Nazir? Agma explique et dit, fait un chiouk, une distinction. Lorsqu'on a dit que la personne engage une partie de son corps à être nazir, effectivement ça dépend de la nécessité que le corps a de cet élément. Mais par contre ici c'est différent. Amar Rav Yehuda de Amar Achi, ici l'intention de ce bonhomme c'est différent. Il y a assez pique et fiv, mais il y a inus ari qui s'aromi la gose. Que ma bouche se comporte comme sa bouche par rapport au vin et que mes cheveux se comportent comme ses cheveux par rapport au fait de les couper. Il n'a pas engagé sa bouche ou une partie de son corps à être nazir, parce qu'à ce moment-là, effectivement, pour que la naziroute puisse s'étendre d'une partie de son corps au reste, il faut que la partie soit vitale. Ici, il n'a pas dit qu'une partie était nazir. Il a dit que sa bouche se comportera comme, ses cheveux comme, ce qui veut dire finalement qu'il ne boira pas de vin et qu'il ne coupera pas ses cheveux, ce qui veut dire qu'il est nazir. Nouvelle partie de la Mishnah, Areni Nezira, la femme qui dit qu'elle est Nezira, Veshama Ba'ala, son mari a entendu, Ve'ama Va'ani, et a dit moi aussi, et non Yachol l'a fait, le mari ne peut pas annuler. Par rapport à cela, Gemara pose une question. Ibaya Lehu, une question qu'on avait déjà rapidement évoquée il y a trois dapim. Question de la Gemara qui revient ici de manière plus précise. Ba'al, mi'akar, akar, lorsque le mari annule la Nezira de sa femme, est-ce qu'il la déracine totalement, rétroactivement? Odinma migaz gaiz, ou est-ce que il la coupe à partir de maintenant pour l'avenir? L'agma dit lema inafkamina. Quelle est la conséquence à la rig de cette question? Leisha shenadra benazir, pour une femme qui s'est engagée à être nazir. Veshama'a haverta, une amie à elle a entendu. Veamra va'ani, et elle aussi a dit qu'elle veut être nazir, moi aussi. Veshama'a ba'ala shenarishona, et le mari a entendu le neda de sa femme. De la première donc, VFR là, et il lui annule. Et là, on va avoir besoin de savoir si le mari annule rétroactivement ou à partir de maintenant. Iyamat ma'aka aka, si tu dis qu'il annule rétroactivement,
C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été nazir, et donc son amie qui a dit moi aussi, elle non plus n'a jamais été, ne s'est jamais engagée à être nazir. Ha'in ami ishtarae, celle aussi qui a dit comme moi, moi aussi, elle est autorisée. Mais il y a marre migazgay, si tu dis qu'il n'arrête le neder qu'à partir de maintenant, ishtarae chaverta asira, la première qui fait atara par son mari, afara par son mari, eh bien elle devient autorisée, mais comme elle n'annule pas rétroactivement, au moment où elle a dit qu'elle était nazira, ça a marché, et sa copine qui a dit moi aussi, ça a marché, donc il n'y a que la première qui n'est plus nazira, la deuxième, le reste. Maï, la Gemara, donc reste la question, est-ce que finalement c'est rétroactif ou pas? Conséquence, est-ce que lorsqu'il y a eu une personne qui a fait Passa, qui a pris sur elle, et que la première a annulé, est-ce que la deuxième reste interdite ou pas? Tachma vient après. Areni nazira veshama ba'ala vama va'ani. Celle qui a dit qu'elle est nazira, son mari a dit moi aussi, donc c'est le cas de la Mishnah, c'est notre Mishnah. Elle dit moi aussi, on a dit Eno yachol la fa, il ne peut pas annuler le neder. La Gemara comprend ici que pourquoi il ne peut pas annuler le neder? Parce que il ne peut pas faire quelque chose qui annule son propre neder. Un homme ne peut pas annuler ses nedarim. Et la Gemara donc déduit que comme ici il a pris la nezirut par rapport à celle de sa femme, il a copié la nezirut de sa femme, peut-être que la raison pour laquelle il ne peut pas annuler la nezirut de sa femme, c'est parce que sinon ça annulerait aussi la sienne. Et comme il ne peut pas annuler la sienne, il ne peut pas non plus annuler celle de sa femme. Et donc la Gemara veut dire de là que si il ne peut pas annuler celle de sa femme, c'est parce qu'elle va avoir une conséquence sur la sienne à lui, ce qui sous-entend que lorsqu'il annule le mari, il annule de manière rétroactive, parce que s'il n'annule pas de manière rétroactive, eh bien lui qui s'est engagé à l'époque continuerait de l'être. Mais Issa Kadatar, si tu voulais dire Ba'al Migazgaïs, que le mari ne fait que couper le neder à partir de maintenant et pour l'avenir, lui faire les choux, il n'a qu'à annuler le vœu de sa femme, mais Hulitsar, elle lui resterait interdit. Et là, la Shmamina, là tu déduis que Ba'al Na'akar Akar, que le mari annule rétroactivement, et que c'est pour ça qu'on ne le laisse pas sûrement dans la Mishnah annuler celui de sa femme, parce que sinon ça annulerait rétroactivement le sien, ce qui n'est pas possible. La Gemara dit non, tu n'as aucune preuve. Alors là, Migas Gaïs, je peux continuer de dire que non, il n'annule que à partir de maintenant et pour l'avenir. Ou Bedin Hu Deleifala, et dans l'absolu, il peut annuler le neder de sa femme, puisque ça ne touche pas au sien. Bainu Ta'ama de l'Omatsim est fait, et la raison pour laquelle il ne peut pas ici dans la Mishnah, c'est Kevin de Amarla va'ani. C'est parce que comme il a dit et moi aussi, Kevin d'Amar kiyam lechi damé. C'est comme s'il avait dit je suis d'accord avec ton neder. Puisque finalement, il a pris lui-même le même neder de Nézirut, c'est une manière de dire finalement je suis d'accord avec ton neder et je le confirme et je le prends pour moi. C'est pour ça qu'il ne peut pas finalement l'annuler. Non pas parce que ça a une conséquence sur son neder ou pas, parce que finalement on n'a pas de preuve, mais parce que le fait d'avoir lui-même pris le même neder, c'est une manière de confirmer celui de sa femme. Imichilika akamato matsim efen. Donc si maintenant il annule son propre neder, il peut annuler celui de sa femme. Mais ilolo, sinon lo matsim efen, il ne peut pas annuler. Ta shma, la Gemara maintenant apporte une nouvelle preuve. Haisha shenadra benazir, la femme qui a fait un vœu de nazir, veifrisha et behemta, et qui a mis de côté l'animal pour le corban du nazir. Bah, hakar efer la ba'ala. Et après, son mari lui a annulé la nezirut. Im shelo aita behema. Si la bête appartenait à son mari, c'est la bête qu'elle a mis de côté. On va la laisser, finalement, faire ce qu'elle veut et aller brouter où elle veut. Im shela aita. Si c'était la bête qui appartenait à sa femme, donc à la femme qui était nezira avant que son mari annule, a behema bachata tamut. La behema, elle est khatat, donc elle est korban, et donc il faut la laisser mourir, on n'a pas le droit. Elle ne peut plus la porter parce qu'elle n'est plus nézira réellement, mais on ne peut pas non plus la laisser partir, il faut la laisser mourir pour ne pas l'utiliser à autre chose. Ve'is al-kadatar, et si tu voulais dire que ba'al me'akar akar, que le mari annule rétroactivement, puisque finalement rétroactivement elle n'a jamais été nézira, eh bien le korban n'a jamais pris effet sur l'animal, le statut korban. Tipo que la cholin, cet animal devrait être chol, autorisé. Et la lâche, Mamina Valmigas Gaïs, n'est-ce pas une preuve que le mari n'annule qu'à partir de maintenant et pour l'avenir, et que c'est la raison pour laquelle le korban reste khatat si le korban appartenait à la femme? La Gemara dit tu n'as pas de preuve. Alors là, mais malach, ba'al mi'akar akar. Tu peux toujours dire que le mari annule rétroactivement. Ben, nous, ta'ama, et que même s'il annule rétroactivement, normalement, il ne devrait pas y avoir de korban khatat. Pourquoi, finalement, eh bien, on laisse khatat, kevan, de l'autre, kapara, avat ki khatat shemetu.
C'est parce que comme finalement elle n'a plus besoin de kapara, donc elle a fait un, elle a nommé un sacrifice pour le khatat, mais que finalement il n'y a plus besoin de kapara, et dans un principe, c'est un khatat dont les propriétaires décèdent, c'est-à-dire qu'il était nommé comme étant un korban khatat pour expier une faute, et que finalement il n'y a plus besoin d'expiation parce que par exemple le propriétaire est décédé, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on laisse l'animal de côté, ni on l'utilise, ni on le tue, ni on l'amène en korban. Ou gmiré, on apprend que des khatat shemetu baaléa, un korban khatat d'expiation, shemetu baaléa, dont les propriétaires sont décédés, tamut, on laisse l'animal mourir sans le toucher, sans lui faire de défaut et sans l'utiliser. Donc finalement, on n'a pas de preuve de cet enseignement. Il se peut que finalement, effectivement, la raison pour laquelle on garde le khatat, c'est parce que le vœu n'est pas annulé rétroactivement. Et même si on pense qu'il est annulé rétroactivement, il se peut que ce soit parce que une fois qu'il a été nommé et qu'il n'y a plus personne qui nécessite une kapara, eh bien, on le laisse mourir. Tâchement, on essaie encore de déduire, de répondre à la question, est-ce que le mari annule rétroactivement ou à partir de maintenant? Tâchement, Aïcha Shenadra Benazir, la femme qui s'est engagée à être nazir, Vaïta Shota Yayin, ou Metame Alametim, et qui a bu du vin et qui s'est impurifié, donc qui a transgressé la Nazirut, la réseau Sofeget et Darbaim, elle recevra 40 coups, les 39 coups plutôt de la Torah, qui incombe à celui qui a transgressé un interdit de la Torah. Alors, la Gemara dit, mais cette braïta, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Qu'une femme qui a transgressé une nésiroute normale, elle reçoit les coups de la Torah, mais c'est évident. C'est évident, on ne peut pas parler d'un cas classique. Ce cas-là, où la femme a transgressé qu'elle reçoit des coups, c'est trop évident pour être dit. Donc, Eridame, c'est quoi le cas? Il est mal, si tu parles d'un cas où le mari n'a rien annulé, c'est Khalememar, est-ce qu'on a besoin de le dire? Pas possible qu'on dise quelque chose aussi banal. Et la Pshita, il est évident que c'est un cas particulier qui nécessite d'être enseigné. Il est évident, Pshita, des effets là-bas, c'est un cas où le mari a annulé son éder. Donc elle s'est impurifiée, elle a bu du vin et le mari a annulé. Et donc du coup, c'est le chidouche. Et donc quoi? Là-bas, tu vois bien que le mari ne peut pas annuler rétroactivement. Parce que s'il avait annulé rétroactivement, pourquoi elle prendrait les coups? Et là, n'est-ce pas que le mari n'annule pas rétroactivement, donc qu'à partir de maintenant, donc la déduction est du fait que ce cas-là, si on le lit tel quel, il est trop évident. Dire qu'une femme qui a transgressé la Nézirut, eh bien, recevra des coups de la Torah, c'est trop évident. Donc forcément, c'est un cas moins évident où le mari a annulé et que malgré tout, elle reçoit des coups, machin, que c'est pas annulé rétroactivement. La Gemara dit, tu n'as pas de preuve, non plus. Alors, la même malar, il se peut que le vœu soit annulé rétroactivement. Mishum de katane sefa. Effectivement, ce début-là, cette Mishnah, cette Braïta, Mechila, ne sert à rien. Effectivement, il n'y a aucun chidouche. Aucun chidouche. Une femme qui prend des coups, eh bien, qui transgresse la Nézirut, prend des coups, il n'y a aucun chidouche. Ah, alors pourquoi on l'enseignait? À cause de la fin. Parce que c'est une introduction au cas suivant qui, lui, est nécessaire à enseigner. C'est quoi? Des katane sefa à la fin, on a enseigné. Et faire la bala lorsque le mari annule. Et qu'elle ne sait pas que son mari a annulé. Et qu'à ce moment-là, elle boit du vin et qu'elle s'impurifie. Et elle ne prend pas des coups de chidouche. Et la fin, c'est qu'une femme qui ne sait pas que son mari a annulé son neder et qui croit transgresser son neder, on aurait pu penser que parce qu'elle croit le transgresser, elle doit porter un korban par rapport à ce qu'elle croit transgresser. Comme à chemin que non, on apprend finalement que non. Et donc, c'est ça qui est important. Et le début peut être lu de manière classique, que c'est un cas où la femme transgresse et reçoit des coups. Et il n'y a pas de nécessité à trouver un chidouche, c'est-à-dire que c'est un cas où il y a eu annulation, que finalement, ce cas de la braïta n'est qu'une introduction à la suite. On va très rapidement rappeler ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que finalement, trancher comme Rech Lakish, que le temps pour prendre la Nézirut de quelqu'un et se la prendre à soi, c'est le temps de dire Shamal Harabi, pas plus comme Rabbi Lanessia. On a vu que finalement, en conclusion, chacun qui prenait, eh bien, prenez par rapport au précédent et pas par rapport au premier. Donc finalement, il faut simplement qu'il y ait ce laps de temps qui soit respecté entre le précédent et celui qui vient. On a vu également que lorsqu'une personne rendait nazir une partie de son corps, eh bien, si c'est une partie du corps qui n'est pas vitale, ça ne marche pas. Si c'est une partie qui est vitale, ça se transmet à tout le corps. Mais si par contre, il dit que sa bouche se comportera comme la bouche d'un nazir qui ne boit pas de vin ou ses cheveux comme les cheveux d'un nazir, ça marche. Également, on était resté sur une question, est-ce que lorsque le mari annule une Nézirut, est-ce qu'il l'annule de manière rétroactive ou Mikanul Abba à partir de maintenant et vers l'avenir? Et la Gemara n'a toujours pas répondu à cette question.